continue sur la vision de l'an dernier parce qu'on a eu de très beaux succès dans cette édition-là. Mais on arrive avec des grandes nouveautés. Donc, Bonhomme nous convie à son palais pour l'ouverture du carnaval avec une soirée hip-hop. Donc, on reçoit La Claire, on reçoit Fouki. De belles nouveautés dans ce sens-là. Puis, on continue avec la soirée électro. Donc, cette année, Electrofret Sapporo. 5 DJ encore féminines d'un peu partout. Ça devrait brasser. Nouveau site. Donc, on exploite le site du Pigeonnier du Parc de la Francophonie différemment avec un site de glisse. Donc, la grande débarque Christie, ça devrait être très, très festif. Puis, bien évidemment, plein de belles expériences au Campaggio et dans le Palais de Bonhomme également. En fait, le défilé est allongé, premièrement, pour améliorer la capacité d'accueil. Donc, on va pouvoir accueillir plus de gens. Comme on ramène le Palais de Bonhomme à place de l'Assemblée nationale, donc ça nous permet d'étirer le défilé jusque-là. Des prestations encore très explosées, des tableaux très festifs. On travaille encore avec de nombreux artistes de la région de Québec. Ça nous a bien souri l'année passée. Ça a été une super collaboration. Donc, on sera plus en mode défilé où ça va bouger tout au long du défilé. Plus de musique également, plus de mouvement. Donc, on ne devrait pas se geler et s'ennuyer pendant le défilé. Le carnaval est du 7 au 16 février. Les défilés sont les deux samedis, donc les 8 et 15 février.